la gratuité scolaire, nos enfants iront à l'école, et lorsqu'ils ouvriront leur livre d'histoire, en 2012, le 22 mars, on leur parlera de cette journée, comme la journée où la jeunesse du Québec s'est levée, et lorsqu'on parlera du printemps 2012, on l'appellera le printemps étudiant, et ce sera le printemps étudiant.